Donc, les deux pieds sont parallèles, les genoux vers les points de pied, le bassin en position neutre et les jambes légèrement fléchies. Ok? Les omoplates vers le sol, je tire au maximum les omoplates vers le bassin. Ok? Ça, c'est la position dans laquelle on va travailler. Donc, serrez bien, rentrez bien le nombril et serrez les muscles intérieurs. Stop pipi, d'accord? Ici, tout est serré. Là, je sens que c'est bien contracté. Je tire les omoplates vers le sol, je relâche la nuque et c'est parti. On va commencer par la tête doucement, demi-cercle, épaule droite, épaule gauche. Vous êtes prête? Droite, gauche. Ok. Surtout, choisissez votre rythme. Et écoutez votre corps. Et doucement, votre attention dans la nuque. Et vous sentez étirement dans la nuque. Ici, on inspire à son aise. Là, je reste droite. Je sens bien étirement dans la trapèze, dans le rhomboïde. Je laisse tirer. Et puis, je change. On se réveille doucement. De l'autre côté, je laisse tirer. Et on relâche le menton vers la poitrine, vers le haut. Tirez bien le menton vers la poitrine, vers le haut. Je dois sentir étirement dans mes 7 vertèbres. Vers le haut, vers le bas, vers le haut. Bien tiré. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, les épaules vers les oreilles, je tire en arrière et je lâche. Ok, ici je travaille avec la respiration. La respiration, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, j'expire par la bouche et je rentre le ventre au maximum. Ça va? Donc, on inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Allez-y, continuez à votre aise. Dans l'autre sens, vers les oreilles, je rentre la poitrine et je lâche. Inspiration. D'abord, on va préparer tout le corps. On va un peu réchauffer toutes les parties de notre corps. Continuez encore deux. Et deux. Eh bien, maintenant le bassin, les jambes fléchies, le bassin vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière. Balancez sans bouger les épaules. 1 et 2. Bien contracter les muscles intérieurs. Et 2. Et là, et 2. Contracte, les jambes fléchies, faites attention. 1 et 2. Et 1 et 2. Encore 1. Très bien, on s'arrête en position neutre. Maintenant, côté, balancez. 1 et 2. Je sens bien étirement dans le bas du dos. Je vais plus loin possible. 1, les jambes toujours fléchies. 1, 2, 1, 2, plus loin. 1, 2, encore 1 et 2. Maintenant, on aligne tout ça. Devant, côté, derrière, côté, devant. Côté, derrière, côté. Les jambes fléchissent. 1, 2. Et puis vous dessinez le cercle, d'accord? Cercle. Imaginez que derrière, vous avez fil avec un crayon. Et vous devez dessiner par terre le cercle avec ce crayon sans bouger les épaules. Donc on travaille que le bas du dos. Le bassin. Dans l'autre sens. La même chose, grand cercle par terre, dessinez. Bien vérifier les pieds à plat par terre, ils sont parallèles. Super, les jambes ensemble. Maintenant les genoux, on descend jusque le genou, tenez bien les rotules, pliez les jambes
et vous faites le cercle, attention, sans décoller les talons. Ça va? Cercle, et je sens le crac-crac dans mes genoux. Ça c'est normal. On réveille les articulations. Vous voyez, ça craque? Ça craque? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ok. Doucement, toujours écoutez votre corps. On n'est pas pressé. On travaille avec la conscience. On écoute son corps. Notre attention toujours là. On travaille. Par exemple, là, je sens mes genoux. Très bien. Tendu. Je pousse sur mes genoux. Plié. Ok. On réchauffe les jambes. Tendu. Plié. Tendu. Je pousse sur mes genoux. Plié. Les bras devant moi tendus. Hop. Plié. Un. Encore une fois. Et hop, je reste, je dégage la nuque, je tire les en plat vers l'arrière, je rentre le nombril, n'oublie pas ici, la ceinture abdominale bien contractée, on reste là, 4, 3, 2, pliez les genoux, et on lâche, ça va, super. Ensuite, la colonne vertébrale, les bras derrière la nuque, les coudes vers le sol, relâchez bien les épaules, les jambes fléchies. Alors, on commence par cette vertèbre, première cette vertèbre, et puis un par un, on roule. Chaque vertèbre, je dois sentir tout mon attention dans la colonne vertébrale. Je travaille avec la conscience, d'accord? Je ferme les yeux, je plie les jambes, je relâche les épaules, et je roule le dos, un par un, chaque vertèbre. Je vais jusque le sol, doucement, écoutez votre corps. On va vers le sol, on lâche les bras dès qu'on est en bas. On lâche les bras. Et puis on dépose les bras sur les cuisses. On déroule. On s'aide avec les bras pour ne pas faire mal au dos. On déroule un par un, vertèbre par vertèbre. Et la tête qui termine le mouvement. Ça va? Encore une fois correctement. Donc les jambes ensemble. Les bras derrière la nuque. Les jambes pliées. C'est parti. Un par un. On roule le dos. Votre attention dans la colonne vertébrale. On va jusque le sol. Très lentement. Baissez les bras. Déposez les bras sur les cuisses. Déroulez vertèbre par vertèbre. Et relâchez les épaules. Très bien, les bras sur la taille. On rentre le nombril, n'oubliez pas la position neutre. Enlève le genou. Gardez équilibre. Rentrez bien le nombril. Et le mouvement est dans le genou. On fait le cercle. Imaginez à nouveau le crayon qui est attaché à votre gros orteil et vous dessinez le cercle par terre. Ça va? Dans l'autre sens. On écarte, on ouvre bien et on ferme à votre aise. Si il vous manque d'équilibre, vous pouvez tenir la chaise. Encore deux. Rentrez bien le nombril, n'oubliez pas. Et on lâche. Ok, l'autre côté. Enlève le genou. Le mouvement est dans le genou. Cercle. Dans l'autre sens. Sans baisser le genou, gardez équilibre. Si vous n'arrivez pas à garder équilibre, ça veut dire que vous n'avez pas contracté le transverse et le dos, les muscles du dos sont relâchés. Donc, contractez bien. Encore un et on lâche. Ok? Avec la respiration. Donc, vous vous souvenez, on inspire par le nez. On gonfle le ventre. On expire par la bouche. On rentre le ventre. Rentrez le ventre. On inspire, levez les bras, on inspire, on lève le genou,
Allez-y. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Stop. On écarte les bras. Gardez équilibre, gardez équilibre. Attrapez le pied doucement. L'autre bras vers le haut. Et on fait la posture moustique. On se penche doucement, sans perdre l'équilibre. Levez la jambe. 4, 3, 2, et vous lâchez. J'espère que ça a été. Ok, l'autre jambe. Donc, on lève les bras. On va lever le genou, on souffle. On retrave bien les abdos. On inspire. On relâche par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Expirez. Encore une fois. Doucement, écartez les bras. Et sans perdre l'équilibre, gardez l'équilibre, rentrez bien le nombril. Levez l'autre bras. Moustique. Sans tomber, attention. On reste. 4, 3, 2 et 1. Bravo. Ok. Ensuite, vous êtes sur le tapis. On écarte les jambes. Le pied droit écarté, le pied gauche fermé. Ça va? Vérifiez bien. Pied droit écarté, pied gauche fermé. Écartez maintenant les jambes. Et vérifiez le bassin vers moi. Ça va? Face. Je plie la jambe droite. Et là, je vérifie que le genou ne dépasse pas le talon. Faites bien attention. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas bon. Vous blessez le genou. Vous voyez? Donc, je recule, j'écarte bien les jambes et je vérifie le genou 90 degrés. Cuisse, genou 90 degrés. Super. On est là. On descend jusqu'au niveau du genou. Ça va? Ok. On se penche en arrière. Le bras droit, je le tire vers le nez aussi. Je reste là. Je sens bien étirement entre les côtes jusque les obliques. Stop. Et je commence à respirer à mon aise. Quand j'inspire, j'écarte les côtes. Et quand j'expire, je ferme les côtes. Comme un accordéon. 1 et 2. Je dois sentir l'étirement bien entre les côtes avec la respiration. On y va. 4 respirations. Magnifique. Stop. Et puis le bras droit passe vers le genou, vers le pied, épaule contre le genou. On descend. Et le bras gauche maintenant. Regarde le bras gauche, le nez vers le haut. Je sens bien étirement entre les jambes aussi. Attention, sans laisser tomber, comme ça, pencher la tête. Levez la tête, alignez la nuque et la colonne vertébrale. On reste là. Inspiration, 4 fois. Inspirez, expirez. Bravo, baissez le bras, pivotez le pied derrière. Ça va toujours? Pivotez le pied derrière. Et là, je change le bras. Donc, la jambe droite, le bras droit. On reste. On inspire, on expire. 4 fois, comme d'habitude, 4 fois. Magnifique. Relâchez. Et la jambe droite passe en arrière. On reste en planche. Hop. On fait bien le nombril. Ça va. Respirez. Petit saute vers
ouvert les mains. Et on déroule de vertèbre par vertèbre. Vous vous souvenez comme on avait fait au début? Un par un. Et on relâche les bras. Tu vois bien? Alors tout ça, de l'autre côté. On écarte les jambes. Écartez le pied gauche. Fermez le pied droit. On descend. N'oubliez pas, vérifiez le genou. Le genou ne dépasse pas le talon. Je descends jusqu'au niveau de genou. J'écarte les bras. Alors, j'appuie sur la jambe derrière. Et je regarde vers le haut. Le bras gauche. Inspiration, j'inspire, j'écarte les côtes. J'expire, je ferme les côtes. Allez, 4 fois. Le chat, il va faire aussi pilates. Bien. Et puis, on descend jusque le pied gauche. Regardez vers le bras droit. Ici, épaule contre le genou. Je sens un étirement déjà. Je reste là, j'expire, j'inspire, j'expire. 4 fois. N'oubliez pas qu'on ne penche pas la tête, d'accord? La tête levée, le nez vers le haut. 2. Laissez le bras, pivotez le pied derrière. Changez le bras, l'autre vers le haut. Allez-y, respiration. Si je n'arrive pas à tendre la jambe derrière, c'est pas grave. Je peux garder la jambe par terre. Ça va? S'il vous manque la souplesse. Bravo. Relâchez. Et la jambe gauche passe en arrière. On reste dans planche. Bien rentrer le nombril. Ok, le transverse qui est contracté. On inspire, on expire. Petit saut vers les mains. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Doucement. Super. Magnifique. Alors, maintenant, on va descendre sur le tapis. Je descends comme ça, cette façon-là. Oui. Ça va, vous me voyez. Super. Alors, on reste sur le genou. Là, on va travailler transverse. On va travailler les jambes, les fesses. Et on travaille tout ça avec la respiration. Donc, quand je vais en arrière, en contraction, je contracte, je souffle. Je reviens, j'inspire. D'accord? On va travailler avec les bras. C'est parti, soufflez. Inspirez. Encore, soufflez. Inspirez. Faites bien attention que la nuque, le dos et les cuisses soient même ligne. Pas vous asseoir vers les, sur les talons. Tout droit. On continue encore avec la respiration. Bien contracter les abdos. Regardez vers le haut. Et le mouvement, la vitesse de mouvement, ça dépend à votre respiration. Soufflez, revenez, inspirez. Quand vous êtes prêt, soufflez, inspirez. Allez-y encore 2. Soufflez, inspirez. Soufflez. Inspirez. Je sens bien contraction au niveau du quadriceps. D'accord? Maintenant, on y va. Mais là, vous restez en statique 8 temps. D'accord? 8. Je compte jusqu'à 8, vous restez. Et là, vous respirez à votre aise. Inspirez. C'est parti. On reste 8. Et 1,
Ça va? Ça a été? Je sais que c'est un peu dur. Essayez d'aller encore plus loin possible. Ça dépend de votre condition physique. Ok, je contracte bien les quadriceps, je serre les fesses, je rentre le nombril et je vais. On y va. Et on relâche. Bravo. Étirez le dos. Glissez bien les bras vers l'avant. Vous voyez, ouais. Vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Alors, d'ici, je commence à faire le cercle par derrière avec le bras et je reviens vers l'avant. Et puis, chaque fois, alternez droite-gauche et on revient vers l'avant. Ça va? Mais avec la respiration. On inspire ici en position neutre, on expire vers l'arrière. On inspire. On inspire. On inspire. Allez-y encore. Avec la respiration. Quand vous allez en arrière, vous devez bien sentir étirement dans le dos. Il y a une petite rotation en arrière. Ok? Allez-y encore deux. Avec la respiration. Et on reste là. Respirez à votre aise. Bien. À quatre pattes. Je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous. Donc, je garde les deux genoux par terre et je commence à déplacer les bras vers le pied. Plus loin possible, sans décoller les genoux. Les genoux, je garde par terre. Et j'appuie sur les deux genoux en même temps, d'accord? Ok? Dès que je sens l'étirement entre les côtes, je m'arrête là. Je commence à respirer à nouveau. J'inspire par le nez profondément. Je garde les côtes. Et j'expire, je vide les côtes. Je ferme les côtes. Allez-y. Ça vous permet d'étirer le bas du dos, les obliques et les petits muscles entre les côtes. On a fait quatre respirations. On change l'autre côté. Doucement. On va jusqu'au moment quand vous sentez étirement entre les côtes. D'accord? Et commencez à respirer. Inspirez. Écartez les côtes. Expirez. Soufflez. Fermez les côtes. Encore une série. Je déplace les bras, j'écarte les côtes, je respire. Quatre respirations. N'oubliez pas de vérifier que vous appuyez sur les deux genoux en même temps, sans vous balancer sur une jambe. Écartez les côtes, inspirez, expirez. Très bien, on revient au milieu et on s'allonge en cobra. Donc, si j'ai problème du dos, je fais la petite cobra. Ça veut dire les coudes au niveau de la poitrine. Les jambes allongées, malheureusement, vous ne me voyez pas. Les jambes, les pieds sont allongés. D'accord? Les omoplates, je dégage, je tire les omoplates vers l'arrière et je reste là. Si j'ai pas de problème du dos, les mains au niveau de la poitrine et on fait grand cobra. Je tire les omoplates vers l'arrière et je garde le bassin par terre. Respirez à votre aise. Je sens contraction au niveau du bas du dos, mais par contre, les abdos s'attirent. Et je relâche doucement. On va répéter encore une série. Levez. Stop.
Gardez bien le bassin par terre, sans décoller le bassin. Le bassin par terre. Si je n'arrive pas, je ne vais pas trop loin. Je reste là avec les bras pliés, c'est pas grave. On reste là, le bassin par terre. Et on relâche. J'espère que tout va bien. Ok. Ensuite, à partir du cobra, donc on refait le cobra. On va faire la balançoire. Ça veut dire je lâche les bras et je lance les pieds, les jambes vers le haut. Et je balance autant que je peux balancer. Donc, regardez comment on va faire. Et là, je m'arrête. Super, vous revenez là. Oui, je vois. D'accord. Ok, asseyez-vous. Asseyez-vous. Position lotus. Les deux fesses sont par terre. Là, je vais étirer le bas du dos, étirer la colonne vertébrale. Je sens bien que j'ai contracté le bas du dos. Ça me fait un peu mal. Donc, je vais en arrière. Je tiens bien le genou avec les bras pour ne pas tomber en arrière. Mais attention, le dos est bien relâché. Ça va? On étire le dos. On balance le bassin vers l'avant. Et puis, la poitrine rentre. Je balance le bassin vers l'arrière. À mon aise. Devant, derrière, le dos rond. Écoutez toujours votre corps. Chacun, vous avez votre rythme. Votre attention dans le bas du dos. Ok. Et maintenant, on fait cercle. Cercle. Vous sentez le bas du dos, vous sentez étirement dans le bas du dos, faut pas trop vite, hein, d'accord? Non, tranquille, on écoute son corps, on continue tranquillement, faire grand cercle. On étire le bas du dos, ça va, dans l'autre sens, doucement. Encore. Ça fait du bien. Encore une. Très bien. Ensuite, donc le bras droit par terre, je glisse, j'écarte les côtes, je regarde bien, je garde bien les deux fesses par terre, je glisse plus loin possible. Je lève le bras, j'inspire, j'expire. Comme d'habitude, j'inspire par le nez, j'écarte les côtes. J'expire, je vide les côtes, je ferme les côtes. L'autre côté, glissez bien loin, vérifiez les deux fesses par terre, levez, inspirez, expirez. Allongez-vous devant, relâchez bien la nuque, les épaules. Essayez de sentir étirement dans les hanches. Donc votre attention, fermez les yeux, votre attention dans les hanches et vous profitez étirement. Vous laissez aller, vous laissez étirer sans contraction, relâchez bien les muscles. Quand les muscles sont relâchés, ils se tirent. Quand les muscles sont contractés, ils ne se tirent pas du tout. Donc, il faut bien relâcher le muscle avec la conscience. Donc, je sens un étirement dans les hanches. Ça va? Et doucement, je me déplace vers le genou droit. Je reste là. Je sens étirement, par contre, dans la hanche gauche. Et je lâche les muscles. Je lâche, je laisse tirer. J'accepte l'étirement. Se déplace doucement l'autre côté. On reste. Et avec déplacement, votre attention se déplace aussi.
la hanche gauche se déplace vers la hanche droite. Et là, vous sentez étirement. Et vous relâchez avec la conscience, vous relâchez vos muscles, vous laissez tirer. On revient au milieu et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Va. Ok, ensuite on va essayer de faire hypopression, soit vacuum. Donc on a plusieurs noms pour cet exercice, mais cet exercice-là, il travaille bien la première couche des abdos, le transverse. Le transverse, justement, c'est le muscle qui nous permet de rentrer le nombril et garder le ventre plat, qui nous permet d'avoir une bonne digestion. Ce muscle-là, il maintient aussi les organes. Donc, la première couche des abdos, c'est très important, surtout pour les femmes. D'accord? Mais ça, on travaille, ce muscle-là, on travaille avec la respiration. Ça veut dire, on inspire par le nez. Et attention, on inspire avec le ventre. On gonfle le ventre. On expire par la bouche. On colle le ventre au dos et on bloque la respiration. On reste en apnée. Stop. Je compte jusqu'à 8. Et on lâche. On va essayer. Je sais, c'est compliqué, c'est difficile. Essayez. On reste jusqu'à 8. Normalement, on reste jusqu'à 25. Mais là, on reste jusqu'à 8. Donc, on inspire. Mettez les mains sur le ventre. Pour que vous voyez que le ventre se gonfle et puis il rentre. D'accord? On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide le ventre. Soufflez, 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 soufflez. Collez, bloquez. 8, 7, on respire plus. 6, 5, 4, 3, 2 et on lâche. Respirez à votre aise. On va faire à nouveau. Donc on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide le ventre. Soufflez, 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 soufflez. Bloquez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on lâche. C'est pas facile. On va ajouter une chose. Collez le ventre au dos, essayez de avaler le ventre. C'est comme si vous rentrez dans les pantalons qui sont trop petits. Donc quand on rentre dans le pantalon, on essaie de rentrer le nombril et rentrer le ventre. Et là on reste. Ça va? On essaie. Donc, vous pouvez monter, petit choc comme moi. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on vide le ventre. Avalez le ventre. Et on relâche. Ça va? Vous avez réussi? C'est pas facile. Si vous n'arrivez pas à avaler le ventre, c'est pas grave. Vous pouvez juste contracter, bloquer et rester en blocage sans respiration. En apnée. On essaie encore une fois? On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide le ventre. Avalez. Et on lâche. Bravo. Ok, on va s'allonger sur le dos maintenant. Pas sur le dos, on ne va pas s'allonger. Asseyez-vous. Mais gardez la place derrière vous sur le tapis. Ça va? On va faire un phoque. Normalement, mes filles, ils adorent le phoque. Donc, on prend le cheville, on tient le cheville. Donc ici, vous allez étirer le dos et vous allez surtout travailler la ceinture abdominale. Ça va? Donc, on lève les bras. Ce qu'on fait, d'abord, regardez. Le dos plat quand je suis assise, puis je roule le dos, je rentre le nombril, je tombe en arrière, je reviens et sans toucher le sol, j'essaie de garder équilibre. J'arrête là, je fais qu'on foque, 1, 2, 3, et puis à nouveau je roule le dos, je tombe en arrière,
Et j'essaie de garder équilibre. 1, 2, 3. Allez-y. Essayez de faire 4 séries correctement. Je fais avec vous. 4 séries, d'accord? Donc, on tombe en arrière, n'oubliez pas, avec le dorant. Et pour revenir, et pour garder équilibre, là, j'ai besoin de mes abdos. Je reste là. 1, 2, 3. Je tombe en arrière. Ça va, ça a été? Parfois, c'est pas facile de se lever. Mais j'espère que vous avez réussi. Bon, on va s'allonger. On enlève la jambe droite. On tient la jambe. On essaie de se lever. Tirez, 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 tirez. Tenez le pied. Restez là, les omoplates vers le sol. Sinon, si je n'arrive pas à aller si loin, je reste là. Ça va, la jambe pliée, c'est pas grave. Là, en plus, étirement, je replie la jambe et je reviens vertèbre par vertèbre. Un par un, je dépose par terre. Sans tomber. Un par un, je dépose par terre, je relâche la nuque, stop. Et je reprends. Je monte, je monte, je monte, je monte, je reste. Ça tire. Je plie la jambe, je descends vertèbre par vertèbre. Roulez bien le bassin vers vous. Et encore une fois, on monte. On plie la jambe et on revient par terre. Le devant, attention. Bien, croisez les jambes et balancez les jambes par terre. Écartez les bras, laissez tirer le bas du dos, je reste. Essayez de sentir les deux épaules par terre, essayez de sentir le sol avec vos épaules. D'accord? Vous sentez le sol avec les épaules. Et avec la conscience, vous relâchez le bas du dos. On laisse tirer. On revient au milieu doucement. On défait le nœud. Ok, on est prête pour l'autre côté. Donc, tu as la jambe, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On tire les omoplates vers le sol. On profite d'étirement. N'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas d'oxygéner vos muscles. Pliez la jambe, déroulez vertèbre par vertèbre. Et relâchez la nuque. Vous reprenez quand vous voulez chaque fois. Écoutez votre corps et choisissez votre rythme. Au lieu de faire 4, vous pouvez faire 2 si vous n'arrivez pas à se lever très vite. On revient. Vertèbre par vertèbre. On relâche. Et encore 2. Allez-y, vous faites à votre rythme. Pliez la jambe, déroulez, n'oubliez pas de balancer le bassin vers vous. Relâchez bien les épaules. Et encore une fois, on se lève, tire, on tire, on tire, on tire. Pliez la jambe, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Relâchez la nuque, croisez les jambes et balancez dans l'autre côté. Écartez les bras. Vous pouvez sentir crac crac, le bas du dos qui craque et laissez tirer. Donc n'oubliez pas de sentir le sol avec vos épaules. Essayez avec la conscience de relâcher les muscles du bas du dos. On laisse tirer, on respire, ça fait du bien.
Respire. Ok. Ramenez les jambes au milieu. Installez-vous bien. Alors, on lève les jambes, flexion, extension des pieds. Vous poussez bien les talons vers le haut. Et puis les pointes de pied vers le haut. Les talons, les pointes de pied. Je sens étirement dans mes jambes. Ça va? C'est comme ça. Alors, si j'arrive à faire la chandelle, je le fais. Sinon, je continue à faire cet étirement-là. Donc, si j'arrive à faire la chandelle, hop, en chandelle, on ramène les omoplates vers la colonne vertébrale, on s'installe bien, confortablement et tout droit. Et on continue les points de pied, flexion, extension, flexion, extension. Encore deux. Ramenez les genoux vers les oreilles. Et doucement déroulez le dos vertèbre par vertèbre sans tomber. Sans tomber. Et tout le monde ramène les genoux vers la poitrine. Respirez. Et à nouveau, on lève les jambes. Ok, mais là on va faire shake. Les pieds, les genoux, les cuisses. Circulation du sang. Allez-y, allez-y, on s'écouille. Plus, 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 bien fort. Les jambes. Les pieds, les genoux, les cuisses. Plus fort. Et les bras avec. Aujourd'hui, on a toute là. La session qui a été faite pour le bas du dos surtout, ok, et un peu de stretching. Alors, on tourne sur le ventre, doucement balancez le genou, tournez-vous sur le ventre, et là, un nouveau étirement du bas du dos. Ça veut dire on va faire le scorpion, les bras sont écartés, la tête vers moi. Vous levez la jambe qui est vers moi aussi et vous déposez la jambe derrière le dos, bien loin. Ok, vous relâchez le bas du dos et vous relâchez les épaules, soufflez. Soufflez, restez. On va étirer le bas du dos. Respirez à votre aise. Ok, on reste encore 3, 2, 1. On revient au milieu. On change la position de la tête de l'autre côté. On enlève l'autre jambe. Relâchez bien les épaules. Le bas du dos. On reste 3, 2, 1, on revient au milieu. Les bras devant vous. Nageur, enlève les bras, enlève les jambes. Et avec la vitesse. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Respirez. 4, 3, 2. Et relâchez, respirez. Très bien, magnifique. Étirez le bas du dos. Reprenez doucement le souffle. Redressez le dos. Ok, on inspire profondément par le nez. On gonfle la poitrine. On expire, on vide la poitrine. On vide les poumons. À nouveau, on inspire.
On gonfle la poitrine, on remplit les poumons. On vide, on expire. Et on vide les poumons. Allez-y encore. Inspirez. Remplissez les poumons. Imaginez que vous inspirez la santé et vous expirez la fatigue. Encore, vous inspirez la santé. Vous expirez la fatigue. Et je vous souhaite une belle journée.